Salut, c'est Flo, c'est parti pour le second épisode de notre voyage à Walt Disney World et aujourd'hui on va dans un parc Disney. Hello, j'espère que vous allez bien, on est parti pour ce deuxième épisode et aujourd'hui on va dans un parc Disney comme je vous l'ai dit et nous allons dans le parc Animal Kingdom. Et oui, c'est un des parcs que je préfère, on l'a fait en 2015 et j'étais tombé amoureux de ce parc parce qu'il mélange à la fois un zoo, il mélange à la fois des attractions, il mélange à la fois plein de choses. Sauf que depuis, il y a eu des nouveautés, il y a eu le Land Avatar et à ce qui paraît, et puis l'extension avec les nouveaux shows aquatiques, mais il paraît que ça a un peu perdu de sa valeur. Alors moi, c'est mon avis, j'adorais ce parc avant. Est-ce que mon sentiment d'amour pour ce parc va perdurer? Et bien c'est ce qu'on va découvrir tout de suite, allez, suivez-moi. Et écoutez, on est rentré dans le parc. En fait, on est arrivé quasiment à la transition ouverture hôtel, ouverture reste du monde. Faut savoir que les parcs sont ouverts plus tôt le matin si vous résidez dans les hôtels. Donc ça, c'est plutôt très sympathique. Et donc là, on va tous à Pandora parce que on va absolument aller faire Flight of Passage ou j'ai oublié le second nom de l'attraction. Donc voilà, donc là, on file là-bas. Il y a une vraie vague humaine qui se dirige vers cette attraction. Mais comme c'est une nouveauté qu'on n'a jamais fait, bah c'est un peu le truc qu'on a envie de faire. Donc voilà, on se fie aussi un peu aux conseils qui sont donnés sur l'application. J'y reviendrai dans une future vidéo, je vous expliquerai un peu tous les points forts et les points faibles de Walt Disney World. On pourra comparer aussi à Disneyland Paris, vous verrez. Donc tout de suite, let's go to Pandora. Et Rémi est toujours avec moi? Oui, toujours. D'attente, normalement on va rentrer dans Flight of Passage, alors on pourra pas filmer l'attraction mais on va vous en dire ce qu'on en pense juste après. T'as hâte? Moi aussi j'ai très hâte parce que c'est tout nouveau pour nous, on l'a jamais fait. Franchement, c'est génial. On a vécu un truc de ouf. Moi, je savais que c'était plus ou moins un simulateur de vol, mais je savais pas comment on était installé. J'avais un peu fait attention de ne pas trop me spoil. Et franchement, c'est génial. C'est un peu la même technologie en termes d'assises que Tron, qui est à Shanghai et qui arrive à Walt Disney World très bientôt. Mais pour le coup, une des meilleures attractions que j'ai pu faire. Vraiment, elle est géniale. Je sais pas ce que t'en penses Rémi, mais... Super bien, super bien. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi non plus. Les décors sont géniaux,
pour la file d'attente que vous avez vue. Ensuite, on arrive ici dans l'espèce d'usine où on nous explique le principe, la file d'attente que je vous ai filmée, assez immersive avec les espaces de mouvement, où on a des numéros, etc. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est de A à Z une super belle surprise. On essaiera de le refaire pendant ces jours. Je vous avoue quand même qu'on a fait 70 minutes d'attente à peu près. C'était annoncé 90, on en a fait que 70. Après, je sais pas à quel moment, est-ce que c'est au moment où on s'assoit que la file d'attente s'arrête ou est-ce que c'est au moment où on va dans la salle avec les animations. Ça, j'ai un léger doute, il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, pour une première attraction faite ce matin, c'est top. On est quand même arrivé assez tôt. On est arrivé sur le parc, il était 9h. Donc, petit conseil, allez-y dès que vous y arrivez dès le matin. Bon, maintenant on va se remettre de nos émotions, on va retrouver la chaleur parce que l'intérieur était quand même très bon. Et on va où maintenant? Dinosaure. Ouais, le dinosaure. Parce qu'il faut absolument le faire. Moi j'aime bien cette attraction, mais j'ai un peu peur dedans. Allez, venez avec nous, suivez-nous. Voilà, on est sorti de cette attraction qui était sympathique. On en gardait un bon souvenir et on a profité. Je vous mets la petite photo juste là, comme ça vous pouvez voir les photos. Ce qui est très cool, c'est que les photos s'ajoutent automatiquement à vos Magic Bands si vous avez l'option de Photopass que nous on a, puisque on est passé par un site pour avoir des prix moins chers. On avait pas mal de promotions, mais je reviendrai sur toutes ces petites explications, sur tous ces tips plus tard dans un prochain épisode qui se situera plutôt vers la fin de la saison, donc plutôt autour de novembre, décembre, parce que oui, il y aura beaucoup d'épisodes de vlog à Walt Disney World, ça c'est moi qui vous le dis. Bon, on est reparti, maintenant on va aller manger, et donc justement on va tenter grâce à l'application de réserver notre part pour ne pas avoir à faire de trop longues attentes et c'est un truc très sympathique. Tu as faim? Beaucoup. Allez, on est parti. De déjeuner, c'était très sympathique pour le coup. Et alors moi qui ai des petites allergies alimentaires, des intolérances alimentaires, sur l'application, ce qui est cool, c'est que vous pouvez dire quelles sont vos intolérances et en fonction de vos intolérances, on vous aiguille vers des bons repas, ce qui fait que vous ne pouvez pas manger des choses que vous ne pouvez pas manger ou pour le coup, vous pouvez tomber malade. C'est très dommage d'être malade. Bon, maintenant on continue en route vers à nouveau Pandora pour faire la seconde attraction du Land qui est... Ça, je sais, Cali Journey Ride, qui est une sorte de petit bateau qui va nous emmener au pays d'Avatar. Écoutez, on est parti. Let's go! Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town, I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone. Let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish. I wish I could wipe my own memory out. On est sorti, c'est sympathique. Attention, unpopular opinion, ça ne vaut pas une heure d'attente. C'est très sympathique, c'est un peu comme It's a Small World, on est sur un bateau.
qui vogue sur l'eau et on visite Pandora de nuit. C'est sympathique, mais ça ne vaut pas les 1 heure d'attente que nous avons fait. Bon, maintenant on fonce parce qu'on est un peu en retard sur notre programme, voir un show que j'adore, qui est le festival du Roi Lion. Du Roi Lion, c'était plutôt très sympathique. Rémi l'a bien aimé. Vous connaissez, c'est super beau. Ouais, j'avoue, c'est très très beau. Voilà. On comprend pas. Exactement. Autre unpopular opinion, ce show ne vaut pas celui qui existe en France. Il est 10 fois plus coloré, 10 fois plus grand, 10 fois plus majestueux, enfin bon, tout ça, tout ça. Et là, on se dirige tout de suite
vers le Safari Kilimandjaro, où on va justement aller faire un petit tour en safari. Allez, venez avec nous. Bon, on est dans la file d'attente pour le safari. Et en fait, il se met à tomber des cordes. Il fait très chaud. Mais pour le coup, on dit qu'on est à l'abri. C'est peut-être pour ça qu'il y avait moins d'attente. Il n'y avait que 15 minutes d'attente. Peut-être parce que les gens pensaient que comme il pleuvait, on verrait moins les animaux. C'est ce qu'on est en train de se dire. Donc, on va voir si on va voir des animaux. Et surtout, on va voir comment ça va se passer. Mais au moins, on est au sec. On est sous la file d'attente pendant qu'il pleut. Et c'est bien. On n'est pas mouillé. Parce que si vous vous souvenez des épisodes de l'épisode précédent, la péripétie is still running for you. Au moment où on tourne ça, on a toujours pas nos valises. Pleuvoir pendant l'attraction du Kilimandjaro. Il se remet à pleuvoir actuellement, donc on va aller se mettre à l'abri tout de suite. Je suis trempé puisque les on va se mettre là, viens, on va se mettre là. Puisqu'en fait les procédures quand il pleut, c'est de ne pas bouger de ne pas bouger en voiture ou en camion ou ce que tu veux. Et donc du coup, on est en plein courant d'air et en plein vent, c'est génial. Une deuxième pluie vient de s'abattre sur nous, mais on a pu s'abriter, on a sorti nos casquettes. Troisième pluie aussi. Oui. Mais les deux premières, on a réussi à les éviter, sauf une, donc je disais dans l'attraction où je me suis arrêté et où je me suis pris à peu près l'eau. Donc je suis dans une espèce de tenue mi-Kritanos, je sais pas quoi. Et j'ai un peu froid, vous m'entendez dire ça, j'ai froid, on est en Floride. Donc une populaire opinion aujourd'hui. Il y a des shows qui sont mieux ici qu'en France. Il y a des attractions qui valent pas le coup. Et j'ai froid en Floride. Tout va bien dans ce vlog, tout va bien. Bon, maintenant on va donc faire une attraction qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, qui est l'expédition Everest. Et alors, on va demander le temps d'attente, parce qu'il n'est pas indiqué. Mais je crois qu'ils ont ouvert la file d'attente pour que les gens puissent s'abriter. Donc je pense que ceci est un véritable bordel. Venez en plus. Do you know the waiting time? It's gonna be like about 15-20 minutes right now. 20 minutes? Right. Yeah. Thank you. Alors, pour la petite explication, cette attraction, elle est située dans la partie Asie. On voit pas du tout, je suis dans le noir, oh là là, attendez, bougez pas. Ah bah, on est à l'intérieur. Cette attraction est située dans la partie asiatique de ce parc. Et en fait, c'est un peu comme le train de la mine. J'essaie de vous donner des exemples de ce qu'il peut être. Et les files d'attente sont assez sympathiques et assez immersives, puisqu'en fait on part sur les traces des explorateurs pendant une expédition du Mont Everest. Et du coup on va voir ce qui se passe pendant cette expédition et on va essayer de découvrir s'il y a ou pas un animal tant redouté qui est le Yeti, parce qu'il a été aperçu. On a même retrouvé des traces de lui avec des dents, etc. Mais on ne l'a jamais vu, donc à nous d'embarquer. C'est assez rapide hein, pour le coup, on a même pas fait 10 minutes d'attente. On va essayer d'embarquer pour voir si on va voir ou pas le Yeti dans l'attraction. Cette vidéo coupe, c'est que je n'ai plus de batterie les amis, nous essaierons de refaire de l'attraction à un moment où j'ai de la batterie. Are you feeling the same way I do? I'm thinking about me.
Bon ben voilà, on est sorti, vous avez vu ça coupe en plein milieu. J'avais plus de batterie, je viens de changer de batterie. Et comme il n'y a que 20 minutes d'attente et que cette attraction est juste topissime, et ben let's go pour un second tour. Et que je vous montre pas, je veux juste enjoy cette fois-ci. Et on se retrouve à la sortie de ce second tour. A tout de suite. Voilà, on a fait pour la deuxième fois, on aurait même pu faire une troisième fois, mais on se dit mollo mollo. On a quasiment tout fait. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est It's Tough to be a Bug, qui est une attraction de 1001 pattes qu'on va aller faire. On s'en est plutôt bien sorti. On nous avait dit que c'était compliqué de pouvoir tout faire sur ce parc parce qu'il y avait Avatar et qu'Avatar prenait beaucoup de temps. Finalement, on s'en est pas trop mal sorti. J'avoue, c'est là qu'on a fait le plus d'attentes. Le safari Kilimanjaro, on le refera une autre fois parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'animaux avec la pluie. Et puis j'ai été un peu beaucoup mouillé dans cette attraction à cause de la pluie. Donc du coup, voilà. Oui, on en reparlera de la pluie et de Rémi un jour où je serai pas mouillé et où il y aura de la pluie. Oui, on en reparlera. Attends que je me coiffe plus. Voilà. Non, mais en gros, voilà. On a passé une super journée. On va donc aller faire cette attraction, puis tout doucement on va se diriger vers la sortie du parc. Seule petite bémol, c'est qu'aujourd'hui on aurait pu faire une chose en plus, parce que le parc ferme à 20h, c'est qu'on aurait pu faire le spectacle Finding Nemo, le monde de Nemo. Sauf qu'aujourd'hui exceptionnellement il n'y a pas de spectacle, donc on reviendra pour le faire. On reviendra de toute façon une deuxième journée sur le parc, sans forcément que je vlogue, que je profite un peu. Donc du coup, voilà, bon, on court faire It's Tough to be a Bug. Bon bah voilà, on est sorti de It's Tough to be a Bug, qui est en fait l'attraction, la spécificité c'est qu'elle se trouve dans l'arbre. Et comme en fait c'est plein de... Enfin, vous avez vu, on vous a montré, il y a plein de petits animaux qui sont gravés dans le bois résine. Donc voilà, et c'est plutôt très sympathique comme attraction. Bon bah écoutez, voilà, on a fini notre journée à Animal Kingdom. J'espère que ce vlog vous a plu. Je suis quand même un peu déçu de ne pas vous avoir montré le show de Dory, Finding Nemo et Finding Dory. Donc ce que je vais faire, c'est je vais tout de suite basculer sur la journée où on l'a fait. Regardez. The Marine Life Institute houses many aquatic species, including fish from the wild who need our help. Here. But we're trying to find Nemo. You were showing me which way the boat went. Fish are free. Fish are free. Fish are friends. Not true. Then we had lunch at tea.
Voilà, on est de retour sur cette journée. Il est 18h, on arrive ce matin à 9h, on grandirait en 9h, vous avez le temps de tout faire, sans vous stresser, sans courir. Le parc est ouvert jusqu'à 20h, donc c'est plutôt très sympathique. Nous on a un peu chaos, parce que c'est en vrai notre première journée ici aux États-Unis. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de nos aventures à Walt Disney World. Allez, salut !